Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, le peuple de Guinée s'est rendu massivement aux urnes le dimanche 18 octobre 2020 pour élire son président de la République. Le scrutin a connu une importante mobilisation et une atmosphère de calme, de sérénité et de paix. Je voudrais avant toute chose rendre hommage au peuple souverain de la République de Guinée pour cette grandiose mobilisation, ce sens de patriotisme et d'esprit civique que chaque citoyen dans les villes et les campagnes trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Ces jours mémorables nous pourraient être aussi une occasion pour rendre un hommage mérité à nos devanciers pour le travail dans le cinéma de la démocratie dans notre pays qu'ils ont accompli. Nous voulons particulièrement nous souvenir de ces pionniers qui nous ont hélas quittés prématurément après les énormes services qu'ils ont rendus à la nation. Nos pensées vont particulièrement à mes aînés, le, le, le président Sekou Ben Sila et maître Amadou Salif Kebe. De là, où ils sont, je voudrais les exprimer la profonde gratitude de l'ensemble des commissaires et de tout le personnel technique et appui de la Commission électorale nationale indépendante. C'est aussi le lieu de féliciter mes collègues commissaires, les membres des démembrements, les assistants techniques, tout le peuple de Guinée, les acteurs du processus électoral, les acteurs de la société civile, les médias nationaux et, inter et internationaux, les partenaires techniques et financiers, les candidats ainsi que le gouvernement et toutes les structures de l'État qui ont permis à l'organisation de la présente consultation présidentielle. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, nous voici donc au terme d'un long, sensible processus que nous avons lancé depuis le 11 juin 2020. En ce 11 juin 2020, quand la CENI proposait ce qui convenait d'appeler chronogramme, très peu de personnes y accordaient du crédit. On disait cette date intenable ou pas réaliste. La CENI il y a cru. Les commissaires, assistants techniques et membres de démembrement y ont cru. Ils ont changé à ce qui les concerne, retrouvé, retroussé les manches et se sont mis au travail main dans la main. Ils ont franchi ensemble tous les obstacles. cest si dit bien obstacles. Ils ont vaincu les doutes et les pressions. Bref, ils ont fait preuve d'engagement et de sacrifice pour la mise en œuvre de ce chronogramme. Aujourd'hui, le résultat est à portée de main. La date du 18 octobre avait été proposée par la CENI, confirmée par le décret de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 12 août 2020. Après tous les travaux d'assainissement et d'audit du fichier biométrique d'Iné, le corps électoral pour ce scrutin du 18 octobre a été arrêté à 5 410 089 électeurs, dont 5 319 146 à l'intérieur et 90 443 dans les consulats et ambassades retenus pour le vote des Guinéens de, Guinée de l'étranger. Le nombre de bureaux de vote à l'intérieur est de 14 938 et de 195 dans les ambassades et consulats. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, 48 heures après la tenue du scrutin, la Commission électorale nationale indépendante parle ma voix. Voudrais à l'instant procéder à la proclamation des résultats provisoires partiels du premier tour de l'élection présidentielle des quatre circonscriptions électorales sur les 38 à l'intérêt du pays. Voici donc les résultats des dites circonscriptions. La région de Conakry, circonscription électorale de Matoto. Nombre des bureaux de vote, 771. Nombre des bureaux de vote pris en charge, 661, soit 78,70 Total des inscrits, 383 415. Total des votants, 229 000.

Répartition des suffrages par candidat par candidature. Le professeur Alpha Condé, RPG Arc-en-Ciel, suffrage obtenu 104 450, soit 49,13%. neuf Traoré, pacte PACT. 4264 soit 2,01%. Makale Camera FAN FAN 2563 soit 1,21%. Je dis bien 1,21%. Ousmane Doré MND 1504, soit 0,71%. Abdoulaye Kouroma, RRD, suffrage obtenu 1069, soit 0,5%. Ibrahim Abessila, NGR.

0,30%, ce qui fait un total de 212 602 au compte de suffrage, soit un taux de 100%. Conakry, toujours Conakry, circonscription électorale de Matam, nombre de bureaux de vote 173%. Bureau de vote pris en charge, 155, soit 89,60. Total des inscrits, 82,464. Total des votants, 57 304. Nombre de bulletin nul, 7 526 soit 13,13%. Souffrage exprimé, 49 778, soit un taux de participation de 69,49%. Répartition des souffrages par candidature. Professeur Alpha Condé, RPG Arcancia.

Là, toujours la région de Conakry, nous avons la circonscription électorale de Kaloum. Nombre de bureaux de vote, 86. Bureaux de vote pris en charge, 79, soit 71,86%. Total des inscrits, 39 367. Total des de votants.

soit un taux de participation de 66,73%. Répartition des suffrages par candidature. Professeur Alpha Condé, RPG Arcancière, 12 412, soit 51,87%. Macalé Traoré, Pacte PHCT, 581

Région de Bokeh, circonscription électorale de Bofa, nombre de bureaux de vote, 285. Bureau de vote prise en charge, 278, soit 93,54 Total des inscrits, 65 770 total des votants, 46 208, et le nombre de bulletins nuls, 3 885, soit 8,41 sous phrase exprimée, 42 323, soit un taux de participation de 70,26 Répartition des suffrages par candidature. Professeur Alpha Condé, RPG Arc-en-Ciel, 23 983, soit 56,69%. Macalé le pacte, soit un, un suffrage obtenu, c'est 487% soit un taux de 1,15%. Makale Kamara, FAN, 845, soit 2,2%. Ousmane Doré, MND, 732, soit 1,73%. Abrolaye Kourouma, RRD, 366, soit 0,86%. Ibrahim Abessila, NGR, 1373, soit 3,24%. Mamadou Sélou dalen UFDG, 12 454, soit 29,43%. Majouf Moro Sidib AFC 209 soit 0,49%. Ousmane, Ousmane Kaba Pades. 962, Kaba Pades soit 2,27%.

0,32% pour un total de 42 323, soit 100%. La Commission électorale nationale, après avoir donné les résultats des quatre circonscriptions, invite le peuple de Guinée à la sérénité et la CENI poursuivra la proclamation des résultats provisoires partiels au fur et à mesure de leur réception. Merci de votre attention et bonne soirée à tous.